Seigneur, nous assister, Seigneur, ce matin. Bénis chaque cœur. Peur à chaque vie. Instruis dans la sagesse de ton esprit et dans la plénitude de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ce matin étudier près de deux chapitres. Luc 22 et Luc 23. Que nous parle ici du temps de la passion. Mais le thème de ce matin, c'est le calice suprême lié à la bénédiction éternelle. Le calice suprême lié à la bénédiction éternelle. Alléluia. Quand on parle de calice, on parle de souffrance, de problèmes, de difficultés. Quand on parle de calice, on parle de très grandes souffrances, en fait. Donc, toute récompense doit être méritée. Et pour mériter une récompense, il faut passer par l'épreuve. Toute récompense est liée à une épreuve. Si tu n'es pas éprouvé, tu ne seras pas non plus récompensé. Si tu ne veux pas compétir, tu ne seras pas couronné. Si tu ne veux pas prendre les devants, tu seras toujours dernier. Mon frère et notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est monté et lancé à la croix de Dieu. Et il règne d'éternité en éternité. Il est dit au chapitre 20, verset 22 du livre de Matthieu. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons dire. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire, a dit Jésus. Jésus voulait parler là des supplices de la croix, des souffrances qu'il aura affrontées, des épreuves qu'il va traverser jusqu'à la croix, à la mort de la croix. Et il dit, est-ce que vous pouvez boire cette coupe là? Est-ce que vous pouvez boire ça? On ne rentre pas dans la bénédiction éternelle sans passer par des souffrances aussi suprêmes, des souffrances et des épreuves qui sont à la dimension de cette bénédiction éternelle. Mon frère, ce matin je vais te parler des souffrances de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu saches ce que tu traverses, ce que tu vis là, c'est normal que ces choses-là t'arrivent. Et dans ce que je vais énumérer là, ces choses-là doivent arriver. Certaines de ces choses doivent arriver à ta vie pour que tu sois compté pour le royaume des cieux. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix? Si tu veux suivre Jésus et puis tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas passer par des épreuves, tu ne veux pas passer par des tentations, tu ne veux pas passer par des moments difficiles, tu ne veux pas passer par des grandes souffrances, c'est que tu ne peux pas suivre Jésus. Et si tu ne peux pas suivre Jésus, c'est que ton nom, même si ça avait été écrit dans le livre de la vie éternelle, ton nom sera effacé. Que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. On ne peut pas vouloir marcher avec Jésus-Christ et puis ne pas souffrir. C'est que lui, il a vécu, là, il a souffert, toi tu dois souffrir ça aussi. Pour montrer que lui, là, c'est ton maître. Jésus dit que lui, il est le bois vert et que nous sommes les bois secs. Oh frère. Un chrétien qui ne veut pas être éprouvé, c'est qu'il ne veut pas être béni. Tous ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu ont une expérience à raconter, un témoignage à rendre. Tous ceux qui ont réussi ont un témoignage à rendre. On ne peut pas réussir sans avoir un témoignage. On a toujours quelque chose à dire sur notre passé, où nous sommes passés et comment nous sommes arrivés ici aujourd'hui. On a toujours quelque chose à dire. Quand Dieu bénit,
Il bénit ceux qui sont éprouvés. Dieu ne bénit pas sans auparavant éprouver. En frère, Luc chapitre 22, du verset, 39 au verset 45. Je ne vais pas lire, parce que j'ai beaucoup à dire. Il faut prendre note. Luc chapitre 22, verset 39 à 45. Dans ce texte-là, on parle là de l'agonie de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. La nuit où Jésus-Christ devait être pris, il était avec ses disciples. Et il était en agonie. Il agonisait à cause de la vision de la croix qu'il avait, à cause de la révélation de sa mort qu'il voyait. Il savait comment il allait mourir. Il savait ce que les gens allaient lui faire jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit qu'il agonisait. Il souffrait au-dedans de lui-même. Et il disait à ses disciples, priez. Priez. Et la Bible dit que lui-même les a retirés, il a prié. Et tellement il était en agonie, et qu'il élevait une prière authentique et originale pour devant Dieu. La Bible dit qu'il transpirait, la sueur coulait de lui, de son front. Et ses gouttes de sueur sont devenues des grumeaux de sang. Amen. Ce n'est plus l'eau qui sortait, c'est du sang qui sortait. Il était en agonie, en fait. Tu ne peux pas être un chrétien et puis ne pas agoniser, ne pas trembler, ne pas souffrir face à l'épreuve qui arrive. Si quelqu'un dit que lorsqu'on va le couper avec un couteau, il ne va pas crier, vraiment, ça va m'étonner. Tant que le feu brûle, ça va te faire crier. Le feu ne crie pas, mais c'est toi qui vas crier. Amen. Jésus était en agonie. Il savait que sa mort approchait. Il savait que les gens allaient le maltraiter. Ses ennemis allaient prendre son corps, le torturer, le mettre sur un bois. Jésus savait. Il avait déjà la vision, la révélation de ce qu'il attendait. Et au-delà de lui-même, il souffrait au point qu'il priait, puis il a dit à Dieu, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette souffrance, cette mort atroce-là s'éloigne de moi, si cela était possible, mais que ma volonté soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Homme frère, c'est pour dire que Jésus même là, il avait aussi peur des souffrances qu'il attendait. Il avait aussi peur de la mort qu'il attendait. Homme frère, c'est tout à fait normal que lorsque la souffrance arrive, lorsque tu passes par des moments d'épreuve, lorsque les difficultés arrivent, que tu trembles. Avoir peur ne veut pas dire que j'ai relâché. Trembler ne veut pas dire que tu as abandonné. Non! La situation peut te faire pleurer. Mais pleurer ne veut pas dire abandonner. Jésus même a pleuré. À la croix, il a crié. Pourquoi Père? Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Dans des moments où tu vas, il y a des moments où tu vas souffrir. Ça ne va pas aller dans tout ce que tu fais. Même dans ta vie. Des choses vont t'arriver. De tous les jours. Dans ta vie de tous les jours. Tu vas vivre souvent de grandes souffrances. À tous les niveaux de ta vie, homme frère, mais ne relâche pas. Si tu veux pas pleurer, t'as compris? Si tu veux crier de douleur, si tu veux, élève la voix pour crier, oh je souffre, mais n'abandonne pas. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. Et Jésus n'a pas abandonné. Si tu souffres, puis tu pleures, puis quand il ne faut pas pleurer, faut dire j'ai mal, voilà pourquoi je pleure. Pleure. Amen. On doit te dire, il ne faut pas abandonner. C'est comme Bob te dit. Parce que quand quelqu'un souffre, il a mal. Et quand quelqu'un a mal, il doit réagir. Il doit pleurer. Souvent pleurer là. Souvent quand tu pleures aussi, ça te console, ça te libère. Est-ce que vous comprenez? Souvent quand quelqu'un souffre, laisse-le pas pleurer. Souvent il dit pleure, pleure, pleure. Ça va, quand il va finir de pleurer, ça va le libérer. Mais pleurer en lui. Et puis ça ne sort pas. Homme frère, la Bible dit, Jésus est en agonie. L'on agonise que lorsqu'il est prêt de mourir. Allez au chute et voir comment les gens meurent. Avant de mourir, ils agonisent. L'agonie. Après l'agonie, vient la mort. Et Jésus-Christ agonisait parce qu'il savait qu'il devait mourir. D'un moment à l'autre, il va mourir. Le lendemain sera crucifié, il va mourir. Il savait ça. Devant la mort, il a tremblé. Mais il n'a pas renoncé.
Alléluia. Tu peux trembler, mais il ne faut pas renoncer. Tu peux me confesser que j'ai peur, mais il ne faut pas renoncer. Le plus important, c'est de ne pas renoncer. Si tu renonces, tu as échoué. Tu peux trembler, tu peux pleurer, tu peux crier au secours, mais ne renonce pas. Le plus important, c'est de ne pas renoncer. Et Jésus n'a pas renoncé face à la croix. Il a même dit à Dieu, hey, ce que je vois là, c'est pas possible que tu es loin soit de moi. Vraiment, ça allait me faire plaisir. Mais ok, que ta volonté soit faite. Si ça te plaît, que moi je passe par ces moments d'épreuve. Si ça te plaît, que moi je passe par ces difficultés là. Et je passe alors. Et Dieu dit, ta bénédiction éternelle, le calice va être suprême. Ta bénédiction éternelle, tu vas rentrer dans une bénédiction de l'éternité. Donc il faille aussi que pour qu'on puisse, on ne puisse pas dire que tu as triché. Ton épreuve va être à la dimension de ta bénédiction. Amen. Les gens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas passer par des épreuves sur la dimension de ta bénédiction. Si tu passes le CEP, c'est en 6e que tu vas partir. Tu peux passer le CEP et la 3e, et puis tu retournes à l'université. Voleur. Fais donc à l'université. Tu veux passer le BEPC, et puis tu veux qu'on donne un diplôme de doctorat. Tu as vu ça où? L'épreuve que tu vas passer là, c'est son diplôme qu'on va te donner si tu as réussi. Donc chaque bénédiction a son épreuve. Chaque bénédiction a son épreuve. Faut dire amen. Amen. Donc Jésus dans le genre de Gethsémani va agoniser. Tu peux être malade, tu peux avoir des soucis, au point que tu agonises, au point que tu dis non, c'est la fin, c'est, non, c'est terminé. Non, Seigneur, si tu ne fais rien, c'est fini pour moi. Tu peux dire tout ça là, mais je dis, faut pas faire quoi? Faut pas renoncer. N'abandonne pas. Ne te relâche pas. Sinon, on dirait que tu es lâche, tu es vendu, tu es un traître. Tu as pris l'engagement d'aller jusqu'au bout. À cause de la mort, tu as fui. Paul n'a-t-il pas dit? Même la mort, même un gain. La mort est une richesse pour moi, est une bénédiction pour moi. Parce qu'il sait qu'après la mort, il ne sera pas jeune condamné, mais il héritera la vie éternelle. Un frère. Deuxièmement, Luc 22, verset 47 à 53. 22, 47 à 53. Je ne dis pas, hein. Je fais les commentaires. Un frère. Du verset 47 au verset 53 de Luc 22. Un frère, Judas va trahir Jésus. Faut dire amen, hein? Amen. Judas a trahi Jésus. Il va vendre son maître aux ennemis, aux adversaires, au diable, à ses acolytes. Il y a des gens qui sont étonnés quand on les trahit. Ils ont trahi Jésus. Judas a trahi Jésus. Lorsqu'il parle de trahir, si quelqu'un t'a trahi, là, faut pas, ça va t'étonner, ça ne doit pas te scandaliser, ça ne doit pas te choquer. Le maître que toi tu suis, qu'on appelle Jésus, là, il a été trahi. On l'a doublé. Son propre gars, le trésorier même du groupe, lui qui gardait l'argent. Et la Bible dit que souvent il mettait la main d'un voleur en plus. Jésus avait un voleur à côté de lui, et puis un traître. Mais Jésus ne réagissait pas parce qu'il lui donnait l'opportunité de croire sur le repentir. Et de se ressaisir. Homme frère, la trahison, il ne faut jamais trahir. Amen. Ne trahis jamais le Seigneur. Amen. Ne trahis jamais ton compagnon de lutte. Ne trahis jamais ton assemblée. Ne trahis jamais. Ne trahis jamais ta femme. Ne trahis jamais ton mari. Ne trahis pas tes amis. Ne sois pas un traître, un fumiste. Ne sois pas un lâche parmi les gens avec lesquels tu vis. Ne trahis personne. Sois un homme honnête, engagé pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Sois prêt à aller jusqu'au bout de ta décision. N'abandonne pas. Ne sois pas comme ceux qui se marient, qui divorcent, qui se remarient. Ce n'est pas bon. Le divorce n'est pas bon. Et la Bible est claire là-dessus. Si tu divorces, il faut rester sans te remarier. Seule la mort va vous séparer. Faut pas trahir. Plus tu trahis, tu deviens comme Judas. Mais je suis là, depuis ce matin, que même si toi tu refuses de trahir le Seigneur, il y a des gens qui viendront te trahir. Ils vont trahir ta confiance. Mais n'abandonne pas.
Jésus a été trahi par Judas. Il n'a pas abandonné. Pourquoi toi tu vas abandonner? Tu n'as pas dit que toi tu suis Jésus. Il y a des gens qui disent, il m'a trahi. Il t'a trahi, mais tu n'abandonnes pas Jésus. Là, c'est Jésus là. Quand Judas l'a trahi, est-ce qu'il a abandonné Dieu? Est-ce qu'il a laissé tomber le ministère? Le seul jour où Jésus a dit à Judas, c'est que tu veux faire frère. Jésus a tout dit sur que Judas c'est un voleur. Il a tout dit sur que Judas c'est un voleur. Jésus a tout dit sur que Judas vole dans la caisse du groupe. Jésus a tout dit sur que Judas c'est un traître. Il a tout dit sur ça. Mais c'est un jour seulement la vie à Judas. La nuit, on devait manger. Vous devez faire la sainte sainte, la cérémonie, la sainte sainte sera instituée là. Mais ce jour il va dire à Judas, celui qui a me trahi est parmi vous. On dit c'est qui? Celui qui a mis la main le premier avec moi dans le plat, celui qui a me trahi. Judas dit, c'est moi Seigneur. Il dit oui, tu l'as dit. Il s'est levé, il est parti. Pour aller accomplir son forfait de trahison au crime. Je suis toujours su. Donc il y a des gens qui sont assis dans la maison de Dieu. Parce qu'on ne dit jamais leur péché, pour eux, là, Dieu ne sait pas. Dieu sait. Le pasteur peut ne pas savoir. Comme il peut savoir. Mais à quoi lui sert-il de te parler de ça? Si je ne dis pas, il te parle. Les gens vivent dans leur état de péché, dans leur mauvaise vie. Et puis quoi se cacher devant? Tu n'es pas caché devant Dieu. Le jour viendra où tu seras mis à découvert. Mais avant que tu sois mis à découvert, commence à te repentir. Seule la repentance, seule ta repentance pourra t'amener à ne pas être démasqué et à être dévoilé. Dieu garde patience, espérant que tu changes. Dieu garde patience, espérant que tu te ressaisisses. Dieu garde patience, espérant que tu te repentes et que tu abandonnes ta mauvaise vie. Dieu garde patience, espérant que tu changes et que tu deviennes une personne nouvelle, recréée et régénérée par le renouvellement de l'intelligence. Tout en espérant que tu seras une personne nouvelle, si tu ne changes pas, un jour, ton péché que tu caches sera mis à découvert. Amen. Et ta honte sera grande. Mais tu auras tellement honte que tu pourras même t'approcher des gens. Tu vas fuir l'église. Il y a des gens qui ont fui les assemblées à cause de leur péché. Il y a des gens qui ont fui les assemblées à cause de leur mauvaise vie. Ils ont toujours caché leur péché là. Et puis ils ont toujours joué les serrés dans l'église. Mais le jour où leur péché a été mis à découvert, ils ont pris la tangente. Ils ont pris la fuite. Les enfants disent qu'il a gagné tant. Parce que le péché même fait honte. Mais pendant que tu es encore dans ton péché, et que c'est entre toi et puis Dieu, il faut te repentir. Faut te repentir. Faut abandonner ce péché-là. Faut abandonner. Ressaisis-toi. Jésus n'a pas dévoilé le péché de Judas pour qu'il soit condamné, mais pour qu'il soit affranchi. Mais comme il a continué dans son péché, la malédiction soit abattue sur lui. Et tout ce que nous connaissons la fin de Judas, il est mort comme un chien galeux. Le ventre a pété, bah, il allait se pendre. Son ventre a pété. Et ce chant-là s'appelle le lieu du sang. Homme frère, dans la passion du Christ, Jésus a agonisé. Parce qu'il sentait qu'il allait mourir. Est-ce que toi, si Dieu te dit tout de suite que demain tu vas mourir, tu es sûr que tu seras tranquille? Tu es sûr que tu pourras dormir? Tu es sûr que tu auras le sommeil dans les yeux? Tu es sûr que tu pourras le causer avec les gens? Tu es sûr que tu vas encore rire? Si le soleil se rend encore pour dire que demain tu vas mourir. Demain à 8h tu vas mourir. Tu es sûr que tu vas dormir? Tu vas rester éveillé jusqu'à matin à 8h où tu vas mourir. C'est comme ça que Jésus a eu la révélation qu'il devait mourir. Jésus savait que le lendemain là, il devait mourir, il devait aller à la croix. Et de surcroît, il a vu même sa mort, le supplice de sa mort, la souffrance de sa mort. Il a vu ça au point que on n'a pas encore touché. Mais le sang même là, ça sort comme ça de son corps par sa sueur, ça sort comme de ses corps. Pour dire combien de fois la mort qu'il voyait là le traumatisait. Physiquement. Il va t'arriver souvent d'entendre que demain ça va être comme ça sur ta vie. Demain on va te renvoyer. Demain on va te chasser de ta maison. Demain tu n'auras plus à manger. Demain ta femme va te quitter. Demain ton mari va te quitter. On pourrait même te dire que
c'est le rosso qu'on t'a ravagé. Tu es sûr que tu vas dormir? Tu es sûr que tu peux rire? Tu es sûr que tu auras l'appétit? Même si tu as la nourriture préférée, tu es sûr que tu ne pourras pas. Tu vas commencer à agoniser. C'est comme ça, toi, que ça arrive. Oh mon frère. Tu vas marcher avec des gens qui vont te trahir. Des traîtres, des fumistes, des jaloux. Des gens qui vont te calomnier, qui vont raconter des choses sur toi. Qui vont mentir sur ta vie comme Judas a fait sur Jésus. Il dit, oh, moi, moi, je le connais, c'est un faux. Je suis sûr et certain que ce Judas-là, il a traité Jésus de féticheur. Il a traité Jésus de marabout. Il a traité Jésus de tous les noms. Pourtant, il savait, dans son fort intérieur, que Jésus est le Messie. Amen. Judas savait. Parce que Judas aussi a été envoyé en mission par Jésus. Judas a chassé les démons. Judas a guéri les malades. Judas a fait des choses extraordinaires par la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais homme frère, ça n'a pas empêché Judas de trahir Jésus. Les gens sont devenus des traîtres dans ce monde, des fumistes. Le traître n'est jamais loin, le traître est toujours à côté. Celui qui te trahit, c'est celui que tu connais. Quelqu'un que tu ne connais pas, il ne peut pas te trahir, il va te trahir en quoi? Il y a quoi entre vous? Il n'y a rien entre vous? On dit quelqu'un est traître, quelqu'un m'a trahi. Lorsque vous vous connaissez, lorsque vous vous fréquentez, lorsque vous êtes engagé à quelque chose. Le traître, voilà pourquoi on dit, le traître n'est jamais loin. Le traître est toujours à côté de toi. Le traître, c'est ton proche. Ça peut être ton ami. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton homme de confiance. Ton homme de main. Le traître, ça peut être ton garde-corps. Le traître, ça peut être quelqu'un que tu fréquentes, que tu connais, à qui tu as placé confiance. Celui-là, c'est celui-là qui peut dire, il est traître parce qu'il t'a trahi, il va te vendre. Il va raconter très comme des rapports sur ta vie. Et puis là, à la fin, il va te trahir. Il va te livrer à la vindicte, au mensonge, au juge. Ils vont te condamner pour rien. Il y a quelqu'un qui l'a libéré de la prison, ça fait 16 ans. Il a fait 16 ans à la Macassi pour rien. Ils l'ont accusé qu'il a tué sa copine. Alors que c'est pas lui. Ils l'ont jeté en prison. Cet enfant l'a libéré. Il n'y a même pas une semaine. Ça fait pitié. Fausse accusation. Quand quelqu'un va t'accuser, je te l'assure que souvent il y a des accusateurs. Tu ne peux même pas avoir. Tu sais plus comment tu as téléphone. Mais devant son accusation, il pleure. Ouah, il m'a fait ça. Il a dit, oh, regarde. Tout le monde le croit. Alors que c'est un sorcier. On va te parler de mettre dedans. Et puis tellement son mensonge est puissant et fort. Toi-même, tu vas te défendre. Tu ne peux plus te défendre. Toi, tu crois que ce qu'il a dit à ses frères. Non, ce qu'il a dit à ses frères. Tu crois même dans son mensonge. Là, c'est toi en accusant, mais toi tu crois en accusation. Ouais, ce qu'il dit souvent, c'est vrai. Et pour que toi te mettre. Parce que tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. On va t'accuser forcément. Les gens vont raconter des conneries sur toi. Tout le monde va te trahir. Mais ne sois pas étonné. Il faut dire amen. Hein. Amen. Il a fait ça à Jésus. Dans la semaine de la passion. Après l'agonie, la trahison. Ce n'est pas fini. Du verset 54 au verset 62 de Luc chapitre 22. Verset 54 au verset 62. Ils vont arrêter Jésus. Jésus sera arrêté. Puisque Judas est venu à l'étreinte avec les ennemis de Jésus. Ils vont venir arrêter Jésus. Mais moi, là, ce n'est pas l'arrestation de Jésus là qui m'a fait quelque chose. C'est le reniement. Mais quand on parle de reniement, où est le reniement seulement de Pierre? Pierre qui a renié Jésus-Christ trois fois dans la nuit du jour où Jésus-Christ a été arrêté. Voilà, avant que le corps le chante. Mais je dis, oh, Pierre, il a été plus courageux que les autres. Quand ils sont venus arrêter Jésus, tout le monde a fui. Amen. Je dis, quand ils ont arrêté Jésus, tout le monde a fui. Amen. Bon, Judas avait déjà trahi les patrons qui sont restés 11 ans. Quand ils sont venus arrêter Jésus, les gars ont fui. Y compris Pierre, mais il a fui. Mais Pierre avant de fuir la cette île, il a son épée à couper l'oreille. Des soldats du souverain sacrificateur qu'on appelle Marcus. L'oreille a coupé, c'est tombé. Jésus a dit non, laisse ça. Il a pris l'oreille, quand il a fait pour l'oreille, elle s'est volée. Miracle même devant ses ennemis. Mais quand Satan tue le cœur des gens, quel que soit ce que tu vas faire, ils vont vouloir te tuer. Là, pour être aujourd'hui, si tu fais du bien, qu'il faut lui faire du bien. Mais tu n'as pas dit qu'on te fasse du bien. Mais déjà, tu as fait du bien. Tu as leur cœur est noir. Plus que le visage de Satan. À tout le bien que tu les fais là, ils ne vont pas te laisser tranquille. Hein. C'est ton malheur même, ils souhaitent. C'est des sorciers. Mais c'est comme le sorcier, son enfant réussit et pas, et puis tu son enfant. Cet enfant qui le réussit les tue. C'est comme ça les gens qui sont. Mais je déclare ce matin que toute personne
qui ressemble au diable, qui a le visage de Satan. Son visage est noir comme les fesses du diable, qui voudra s'en prendre à toi. Je déclare ce matin qu'il est confus. Noirceur de Satan, ça n'existe pas sur la terre. Le côté sombre, ténébreux de Satan, ça n'existe pas sur la terre. Ce noir-là n'a pas encore existé. Mais le jour où vous allez voir le diable dans sa laideur extrême de ténèbres, vous allez voir que les ténèbres du cœur du diable, là, c'est comme des gâteaux qu'on peut couper comme ça. Les gens vont renier Jésus, ses propres disciples, sur la rue, c'est un très vendu. Bon, ok, lui, il est classé. Les 11 avaient fui. Ils ont renié Jésus. Quand ils renient, vous passez à Pierre. Pierre, il a eu le courage de revenir là où il avait été Jésus pour aller le mettre sur le souverain sacrificateur. Pierre est parti là-bas. Mais 10 autres personnes ont dit, ils sont pas revenus. Quand ils ont fui, là, ça qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils sont partis. Pierre est revenu, dit non. Moi, je ne peux pas laisser mon roi là, moi je suis à lui. C'est ça, on dit un garçon. Dédit, ça peut chauffer, tu vas fuir. Mais quand tu vas arriver devant, il faut faire devenir tout. Amen. Mm-hmm. Parce que souvent, la peur peut te faire fuir. Mais quand tu es devant, il faut freiner. Et puis, non, ce qui m'a fait fuir là, c'est la peur. Et puis, tu prends la peur, tu chèques. Et puis, tu regardes le courage. Pierre est revenu le courage. Amen. Même si il est revenu, j'ai vu trois fois, il est revenu le courage. Il y a des gens qui sont des fuyards. Lier Jésus, quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit ce qui va m'arriver demain, quel que soit ce que les gens vont se lever pour faire contre moi, à mon frère, faut pas renier Jésus. Moi, je suis pas Jésus, moi, je suis un porte-parole de Jésus. Dis amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, le pasteur là, c'est Jésus. Si quelque chose arrive au pasteur, le rose, ta foi est tombée. Mais si le pasteur là, tu vois, Jésus qui est fermé. Tu es perdu. Mais si le pasteur, c'est un homme de mauvaise vie, c'est un pécheur, un pécheur, il faut le quitter. C'est un sorcier. On ne va pas dans l'église d'un pasteur pécheur. Dis-moi, ne va pas dans l'église d'un pasteur pécheur. Amen. Ne va pas dans l'église d'un pasteur qui enseigne la mauvaise doctrine. Non, ne va pas dans l'église d'un pasteur. Un pasteur marmailleur, un pasteur escroc, un pasteur vagabond, un pasteur féticheur, un pasteur qui adore des idoles. Ne va pas dans l'église d'un pasteur fumiste, un pasteur zikéi, un pasteur zougrou, un pasteur coupé décalé, un pasteur jobara. Ne va pas dans l'église de ces voyous, de ces vagabonds. Amen. Ils ne mèneront pas au ciel, mais dans les temps de feu et de souffle qu'on appelle communément l'enfer. La Bible dit, c'est la géhenne. Les gens ont renié Jésus, ses propres amis. Souvent c'est chaud, hein. Souvent c'est chaud, puis on gagne le temps. Mais j'ai dit, quand tu fuis, on peut revenir. Ils ont parti, non? Ils sont revenus. Dis amen. Amen. Souvent tu peux trembler. Tu as tes cachets. Mais ta cachette là. Non, faut dire, quand tu refuses, là tu le touches. Amen. Non, non. Le danger, tu vas affronter ça. Et donc c'est moi qui fuis, hein. Non, moi je reviens. C'est comme ça un garçon. Amen. Un garçon fuit, va vous fuir. Quand il fuit, c'est qu'il a fini, boum. Boum là, il s'attendait pas, il a fait la fuite. Quand il est par terre, il revient. Ouais, mais il attend pour et puis il bouge plus. Et ça on dit un garçon. Amen. Un garçon qui fuit pour toujours, c'est pas un garçon, c'est un fourrier. Amen. Et qui marche avec un fourrier, tu serais un fourrier. Vos enfants ils partent à l'école. Si il marche avec un enfant qui parlerait en classe, ton enfant ne sera pas surpris contre ton enfant sur le connaissait bien. Il marche à le dernier de la classe, il sera en bas de lui. Il marche à le premier de la classe, un jour l'enfant sera premier ou il sera deuxième. Tu marches avec un fourrier, tu seras fourrier. Tu marches avec un vagabond, tu deviendras un vagabond. Tu marches avec quelqu'un qui aime faire l'école buissonnaire, il est tout dans les buissons, il peut s'amuser, grimper aux arbres, tourner autour des clôtures, tout et tout, aller fourrier dans le champ des gens. Ton enfant là sera comme ça. Mais tu marches avec un enfant comme Aristide, qui a aimé l'école. Il partait à l'école, il partait pas à côté de l'école, il partait pas autour de la clôture, il grimpait pas aux arbres de l'école. L'enfant partait à l'école. Amen. Alléluia! Ma fille! Mais tu crois des mots en français qu'il ne connaît pas? Alléluia! Il ne faut pas avoir peur.
Je vais parler plus loin que ça. Alléluia. Amen. Enfin, tu vas marcher avec des gens qui vont souvent te réunir. Moi, je dans cette situation. Normalement, là, on se fréquentait quoi, hein? Il y avait un pasteur, il avait son assemblée. Chaque jour qu'il voit les chrétiens, ces chrétiens étaient célébrés. Mais qu'est-ce que je vais faire pour les mettre à l'épreuve? Il s'est levé, il allait voir un de ses amis qui est militaire. Il dit, tiens, mon gars, voilà, les chrétiens, je vois qui est vraiment attaché au Seigneur, puis qui n'est vraiment pas attaché au Seigneur. Il sait, mais il ne sait pas quoi faire. Le gars dit, bon, laisse ça, dimanche là. Quand elle dit, même convocation, tous les membres doivent être en train de faire un moment de l'Église. Et puis nous, on va venir. On va te prendre, on va te pomper devant tes fidèles. Elle est venue en cargo. On va te faire cadeau, on va ramasser vous tous, on va partir au camp en vous. Toi, autour des pieds, tout des soins, tout le monde au camp. Et puis c'est qu'on te montrer devant des portes de frais. Tu sauras qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Ça, c'est une bonne idée. Le pasteur a lancé une convocation générale. Convocation solennelle. Même si tu ne venais pas sur un toi, tout ça. En plein culte comme ça, le pasteur l'a pressé. Deux cargos sont une gagne devant ta place. En ce que tout est gris, personne ne peut dire, même les frères, ça ne peut même pas. On dit rentre dedans. Il y a certains anciens qui ont voulu mettre un pied dehors, on dit rentre dedans. Alléluia. Il y a des pasteurs qui viennent se cacher sur les fonds, ils sont sors de la table. Ramassez tout le monde. Allez au camp. Arrivez au camp, on dit bon, ok. C'est vous les chrétiens. Le pasteur dit oui, c'est nous. Eux ont pris que oui, c'est nous. Il ne manque pas parce qu'on va tuer un là. Un pasteur entendu parler, il va dire, on va tuer un là. Bon allez, la paix est militaire. Regarde-le dans la chambre là-bas. La paix est militaire. Fermez. Attendez, préparez vos congés de mouton. Je vais faire couler le sang moi par la porte. Tchaaaaa. Hey! On dit bon. Bon, après le pasteur, qui sont ceux qui suivent? Le pasteur, c'est celui que non, c'est les anciens. Les anciens, non, c'est les anciens. Jamais les anciens, c'est les anciens. On dit, mais pourquoi? Bon, on dit, allez. Tous les pasteurs, c'est ça, venez ici. Les parents sont dit non, hein. Moi, non, venez ici, quoi, parce que nous, là, c'est un peu chaud, vous venez un peu comme ce gérer. On dit, bon, vous mettez-vous avec le coton, vous ne connaissez pas trop bien le pasteur. Nous, on ne connaît pas comment le silo. Voilà, vous avez la vie, vous avez la vie chaude, mettez-vous là-bas. Les anciens, venez ici. Les anciens dit, non, nous, on aidait les pasteurs assistants. Quand le pasteur nous montrait que tu veux, c'est un faux gars, il nous a même trop. On dit, bah, allez, vous avez la vie chaude. On est passé au diaconès, Jacques, jusqu'au dernier de tous les fidèles. Tout le monde dit que eux là même là, ils vont à l'église, mais pas ça, mais dans lui. Il est resté petit enfant. Comme mon petit pasteur pour fuir. Et puis on lui a demandé, toi l'enfant là, très fort ici. Va là-bas. Et lui ne veut pas. Je vais tuer mon pasteur, je vais me tuer. Et moi je crois en Jésus. Jésus, on acclame le Seigneur. Oui. On dit que toi, passe à droite là-bas. Toute l'église est là-bas. Bon, ah, on tue le pasteur. Maintenant, on a mis la femme de côté. On ouvre la porte, on dit pasteur sort, le pasteur sort. Les anciens, les jacques, les pasteurs assistants, tout le monde. Ah, le gars dit pasteur, c'est mon fidèle qui est venu là. On saute dans l'église là. On va le dégager d'ici. Quand on a fini notre travail, la honte, l'enfer. Voilà pourquoi on est dans les églises. Les gens sont pressés comme ça. Mais un seul a cru au message du pasteur, le petit enfant. Est-ce que tu peux être comme cet enfant? Jésus a dit, soyez comme des enfants. Quand le royaume des cieux est petit, il est ici. Les enfants, ils ne font pas naïfs. Pourquoi est-ce que l'enfant ne laisse pas? Si tu l'as convaincu, il est avec toi. Ne soyez pas étonné qu'il y a des gens qui sont avec les bafoussos, avec les faux prophètes. Ils sont, ils ne laissent pas, ils savent, souvent ils savent que le gars il est faux, mais ils ne laissent pas. Maintenant, toi, tu es dans la vérité. Tu as quelqu'un qui est dans la vérité, et puis tu es un marqueur. Tu cherches quel nom, tu veux régner. Beaucoup ont régné le Seigneur, mais ils sont assis là. Et le pasteur, il est le seul chrétien de son église avec ses enfants. Tout le reste là, c'est la figuration, mais les pères, tous ces pasteurs assistants, ces évangélistes, ces prophètes, ces anciens, ces diacres, tout est tout. C'est là maintenant, tu as voir mes frères, même là, les diacres, ça. Moi-même là, même là, c'est à cause de mon mari, je suis venu. Moi-même là, c'est parce que j'aime mon mari. C'est
chacun a commencé à donner cette, les choses là. Non, non, mais là vous êtes distrait, moi de mon cas. Je me dis, ah, il y a ma voix là-bas. Ah, pour convaincre, homme frère, dans les saisons, ne renie pas le Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, ne renie pas. Beaucoup n'ont pas renié. Quand on était dans le temple là, beaucoup ont quitté l'église parce qu'ils ont cassé le temple, n'est-ce pas? Beaucoup ont quitté l'église. Il y a des gens qui sont venus, ils sont venus trouver, sinon parce qu'on avait un camp là, même si on s'est entendu parler, mais n'ont même pas vu. Beaucoup ont abandonné. Ah, donc c'est que les gars, on n'a pas tant. Si le pasteur était aussi poussé, ça va aussi en chaud. Ah, mais on n'a pas tant. Les circonstances, l'environnement peut t'amener à renier. Mais je dis, ne renie pas. Ne renie pas. Faut pas renier. Faut pas renier. Il y a des gens qui sont là jusqu'à aujourd'hui, ils sont calés. C'est Dieu, mais ils ne bougent pas. Il pleut ici, à tous, à sa porte-porte, on se déboule, on se met ici. Mais ils sont calés. Quand il y a des gens comme ça avec toi, je suis des gens sur lesquels tu peux compter. Pour que le côté puisse avancer, pour que les gens puissent gagner à Christ, pour que les gens puissent connaître Christ. Mais quand tu as des fuyards, des trains qui autour de toi, quand ça chauffe, tu gagnes temps, tu les lâches, tu n'as personne. Ah, mon frère! Jésus sera arrêté. Rien qu'un besoin peut t'arrêter. Mais il ne parle pas du faux Jésus. Le faux Jésus qui le met à la macaille, ce n'est pas de lui qu'il parle. Lui, dès qu'on est arrêté, ses disciples-là continuent de passer dans son église. Et puis ses pasteurs prêchent. Ouais. Et puis il menace. Il a quand même nous arrêté aussi. Voilà. Quatrièmement, verset 63 au verset 65. De Luc 22 du jour, c'est le même chapitre. Luc 22, verset 63 à 65. Jésus sera injurié et frappé. On va l'insulter et on va le frapper. Moi, on ne m'insulte pas, hein. Tu ne me connais pas. Si tu m'insultes là, viens mettre ma Bible à côté. Jésus vient le mettre de côté. Il y a tes réglages, après, je vais me mettre dans mon cœur. Tu vois que Jésus, c'est un fétiche. Tu vois que Jésus, c'est ton fétiche. On se fait propre, et puis après, on va prendre ma Bible, après, je vais te mettre dans mon cœur. C'est pas fétiche. Jésus, ce n'est pas une idole. Ils ont injurié Jésus. Il a été insulté et puis frappé. Ils ont craché sur lui comme on crache sur une poubelle. Les femmes là, son mari n'a qu'à l'insulter. Faut pas m'insulter, on s'est insulté ici au lieu là. C'est même pas encore dehors, ça, ton mari. Et puis tu es réagi. Ne savez-vous pas que une femme normalement, quand même son mari l'insulte, ça ne rien dit. Quand son mari la gomme, ça doit rien te dire. C'est normal, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce que son vous qu'elle se fâche. Je crois que beaucoup de femmes doivent s'en foutre, pas sa route. Elles font des petites dettes, pas. Mais toi, tu es pour lui, donc quand il se fâche là, s'il parle, tu te tais. Amen. Mais le temps de Dieu ne veut pas se taire. Pourquoi tu m'as dit comme ça? Non? Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Ça m'énerve même. Ça me fait mal. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu as été préparé quoi? Mais c'est ton mari? C'est ton mari? C'est ton mari? Pourquoi tu te parles comme ça? C'est pas quelqu'un de droit. Alléluia. Ah mon frère! Les femmes, rendez vos témoins dans vos couples, dans vos foyers. Soyez des modèles et des exemples. Ton mari va te faire des paroles. Faut te taire. Faut te taire. Faut rien dire. Faut pas dire un mot. Dieu sera honoré et glorifié dans ta vie. Alléluia. C'est pas parce que il n'a pas raison. Il va te parler, toi tu vas réagir. Ne réagis pas. Quand tu ne réagis pas, Dieu te grandit. Mais quand tu réagis là, Dieu te laisse comme ça parce que tu n'as rien compris. Mais il y a des femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles, wow! Son mari parlait pas. Son mari parlait pas. Son mari parlait avec elle, gros cœur. Ah, femme qui a gros cœur, c'est pas bon. Une femme doit pas être coloreuse. C'est pas bon. Ça n'honore pas Dieu. La colère appartient à l'autorité. C'est pas bon.
Il faut arrêter ça. Alléluia. Alléluia. Je sais que c'est difficile à supporter. Mais le Seigneur dit que tu es venu pour le supporter. Lui t'a créé pour que tu puisses le supporter. Lui t'a créé pour que tu puisses encaisser. Lui t'a créé pour que tu puisses abortir. C'est un mauvais comportement. C'est une mauvaise manière de faire. Lui t'a créé pour que toi tu puisses supporter tout ça. C'est que femme supporte, donc garçon ne peut pas supporter. La plupart des garçons, c'est des salauds. C'est qui dit à la femme de supporter, mais ne peut pas supporter. On dit amen, hein? Amen. Oui, mais. Non, maman, c'est vrai, hein? Et on dit la vérité, hein? C'est quand on vous demande de supporter, non, pas supporter. La femme peut supporter de flirter son mari. Mais un homme, si elle a pas de fidèle, s'il n'a pas cité ma carrière, tu vois. Pas cité parent. Allô? J'ai dit, votre fille là, elle est diable, elle m'a trompé. Et puis s'il a attrapé, quand le sang du monsieur est quitté, elle va te montrer chaud pour toi là-bas. Oui, gars. Les femmes supportent l'infidélité. Parce que Dieu leur a donné ce cœur. Les garçons. Oh, bon, s'il n'est pas devenu fou. Il va se tuer même. Ah bon, ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand ça fait mal, faut pas lui faire ça aussi. Toi, tu sais que ça fait mal. Donc elle n'a pas cœur. C'est un béton qui est dans sa poitrine. C'est un roche. C'est un rocher qui est dans sa poitrine. Donc elle, quand on compte, ça lui fait pas mal. Les garçons sorciers. On l'a mal répété ça, les garçons sorciers. Là, dites-moi ça. Les maris sorciers. Les maris sorciers. Tu vois que elle n'a pas cœur de l'homme. C'est un cœur qui est dedans. La poitrine, ça fait mal aussi. Copain, copine, même là dans le monde, même la fille, même là, c'est son copain. Il n'y a rien. Quand le gars la trompe, ça fait pas là. On voit deux filles dans la rue sans se battre à cause d'un casque beaucoup. Oui, c'est pas ça fait mal. Il y a une sur son terrain, l'autre est venue sur son terrain. Et bien, ça se bat. C'est pas ça fait mal, c'est la peur qu'il faut qu'elle fasse parler là. Maintenant, on dit, ça c'est pas copain, copine. Monsieur, madame, et puis tu as fait ça. Non, ça fait mal. Ce que tu ne pas qu'on te fasse, ça va faire un autre. Dis amen. Amen. Elle a arrêté. Alléluia. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ta femme t'a fait fâcher, faut lui parler, faut crier là-dessus. Mais faut pas la tromper, faut pas la trahir. C'est pas bon. Dieu même n'est pas dedans. Amen. L'infidélité, Dieu n'est pas dedans. Amen. Pour que c'est une petite affaire, c'est une petite affaire. Jésus a été injurié. Il a été frappé. C'est fidèle à Dieu. Et c'est à cause de Jésus, on te frappe, on te jure, on te dit des paroles mauvaises. Il faut attraper ton cœur, il faut dire. Amen. Cinq. Verset 66 au verset 71. 66 à 71. Luc 22. Jésus-Christ va se retrouver devant le Sanhédrin. Qui va le juger? Les hommes religieux vont le juger pour le condamner. Donc on va commencer à accuser forcément. Et regarde, souvent, regarde, quand les païens t'accusent, ça fait pas mal. Mais toi, quand les propres frères en Christ t'accusent, ça fait mal. Et puis il y a des gens, ils sont possédés. Un pasteur t'a raconté des mensonges et puis ils colonisent les gens. Les gens, pasteur t'a divisé les frères, divisé les soeurs. Eux là, c'est un esprit de division qui les a mis à semer le désordre, la cisanie au milieu de l'église, au milieu des gens. Il se lève, ça raconte ça à Stéphane. Il se lève, ça raconte à... Mais tu cherches quoi? Quel est le but que tu vas atteindre? Quel est ton objectif? Pourquoi tu as un comportement de diable, de Satan comme ça? Il y a ceux qui sont là pour semer toujours le désordre. Passer leur temps à raconter des choses sur les gens. Aller raconter ceci, raconter cela, raconter comme si. Mais arrêtez ça! À quoi ça honore Dieu? Les gens ont fini par se raconter des calomnies de Dieu. C'est sûr, le pasteur Mélène Zari. Moi, je dis souvent, ceux-mêmes qui vont parler mal de moi, je me demande ce qu'ils racontent. Franchement, Dieu, je me demande ce qu'ils racontent. Quand les gens se lèvent,
et puis ils vont appeler d'autres personnes au téléphone. Vous voulez raconter le passé comme Dieu. Je me demande ce qu'ils leur disent. Parce que ce que toi tu vas dire, tu dis quoi? Il faut aller dire aux gens que le pasteur a péché. Là, il te dit, ouais, on t'a dit que je te bon. Et puis il faudrait que tu prouves que tu as péché. Il y a des gens qui ont raconté des ragots. Ils vont raconter le pasteur comme s'il veut. Il a fait quoi? Il a commis quel péché? Quel est le péché qu'il a commis? Qu'est-ce que tu le proche comme péché? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui n'ont rien à dire. Rien à dire. J'ai connu une femme. Mais elle est très méchante. Une mauvaise femme. Je lui ai parlé de Jésus. Elle a mis sa vie à Jésus. Je l'ai même baptisé. Hey. Je l'ai soutenu dans sa foi. Dans sa vie. Dans sa vie conjugale. Je l'ai soutenu dans la prière, exhortation. Tout et tout. Mais cette femme a toujours été une méchante femme. Je n'ai jamais su ce que j'ai fait à cette femme-là qui est mal. Je suis son père dans le Seigneur. Mais elle a toujours eu l'occasion de raconter des choses. Je ne sais pas ce qu'elle raconte à la fin. Je ne sais pas. Et puis elle arrive à amener ces gens à qui elle raconte cette bêtise-là. Tu ne jamais me dis ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle les en fout. Elle a dit, quand elle va te raconter des bêtises, Simon. Mais elle peut. Tu n'as pas la force de te mettre en pour demander au pasteur. C'est comme un envoûtement, comme une sortinesse qu'elle jette sur ces personnes-là. C'est malheureux. Des gens qui s'attirent la malédiction. Et souvent j'entends ça, parce que les gens parlent. J'interprète, mais c'est malheureux, moi ça me fait pitié. Quoi. Qui va me convaincre d'un péché? Qui va me dire, il est en train de chercher une fille, il est en train de chercher une femme? Qui va me dire, il va en train de dire, je suis en train de pétition? Qui va me dire, il m'a vu en train de faire les choses, en train d'escroquer les gens, me titulant de l'église? Qui va me dire, qui m'a vu? Qui me convaincra du péché? Personne. Alors que je leur dis, oh, le pasteur est trop nerveux. Souvent, il tape dur, souvent, il prend les décisions. Ça, c'est péché. Faut-il pécher là? Il y a des gens qui ont des esprits d'enfouissement et de sortilège. Quand ils vont te raconter un mensonge chez quelqu'un, tu n'as même pas le courage de te lever et demander à la personne. Parce que son mensonge est enfouissant. Sa calomnie là est démoniaque et c'est diabolique. Sa calomnie là hypnotise. Sa calomnie là te paralyse. Au point que tu crois à cette calomnie, à cette fausseté là. Et puis tu n'as même pas le courage d'aller demander. Regarde, si on te raconte quelque chose, il faut me demander. Viens me demander. Parce que si tu déclares que tu vas me demander, c'est qu'on t'a envoûté. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Si tu entends quelque chose sur moi, on est passé par mille chemins là. Viens me voir. Ou bien prend une, deux, trois personnes. Pas me recommander. Venez voir ça devant vous dire, ah pasteur, on a pris quand tu as fait ça. Ou on t'a vu faire ça. C'est ce qu'il faut faire. Mais les gens, ils entendent des choses bizarres, des choses qui sont même pas, des choses qui n'existent pas, des mensonges inventés, créés. Et puis, ils courent cette vie sur le ciel. Jésus doit mentir sur lui. Jésus dit, qu'on dise des choses sur vous, mais que cela ne soit pas trouvé vrai. C'est-à-dire, on peut raconter beaucoup de choses sur toi. Mais frère, soeur, que ce qu'on dit de toi, que ça ne soit pas vrai. Si c'est vrai, là, c'est pas vrai. Que ça ne soit pas vrai, que ça soit de fausses accusations, que ça soit de la calomnie, de la diffamation, et que ça ne soit pas vrai. Voilà pourquoi jour et nuit je me bats, je lutte, parce que je sais que j'ai une image à présenter, j'ai une image à véhiculer. Je dois être un modèle, un exemple par excellence. On ne doit pas me trouver dans les faux coins, dans les faux trucs. On ne doit pas me trouver, et mon nom ne doit pas décider dans les choses qu'on ne doit pas faire. Et même si mon nom est cité, après la vérification, qu'on trouve que non, c'est un mensonge sur moi. Amen. Vais-je ta vie? Vais-je ta vie? Pour savoir où tu vas, qui tu fréquentes. Même les personnes que tu fréquentes, ça peut gâter ton nom. Amen. Les personnes avec qui tu marches là. On peut prendre leur vie là pour attribuer, pour coller ça à ta vie. Amen. Parce que tu marches à ces personnes. Il y a des personnes avec les, des pasteurs avec lesquels moi je ne marche pas. Parce que si je marche avec eux, il y a d'autres pasteurs qui ont dit non, c'est qu'on est la même chose. Je ne marche pas avec eux. Tu enseignes la fausse doctrine, je ne marche pas avec toi. Je ne collabore pas avec toi. Tu
idolâtrie, je ne marche pas avec toi. Bonjour, bonsoir. Fiance, je te passe. Ni vu, ni connu. Faut pas, on va prendre ton image sale là pour coller ça sur moi. Ça ne marche pas. Chacun a sa photo. Faut pas avoir décollé ta vieille photo, venir mettre ça sur moi, ma photo. Et pour aller comme me voir, c'est toi en voir. Si on va voir quelqu'un dans ma vie, c'est Jésus qui doit voir, c'est pas une autre personne. Je n'ai pas l'impression que je suis dans n'importe quelle église. Une église où là-bas on enseigne n'importe quoi, je ne vais pas là-bas. Si je vais prêcher dans cette église-là, demain vont dire, c'est que vous êtes la même chose. Je prêche dans les églises où la doctrine est enseignée, où la vérité est enseignée. Moi, mes vies ne peuvent pas, je ne bouge pas. Parce que si toi, le pasteur, moi, je te connais ta vie, je ne vais pas là-bas. Il n'est pas prêché là-bas, pas quand me voir, pas quand la même chose. Jamais on ne sera la même chose. Amen. Si tu es la même chose comme Jésus, c'est parce que Jésus va faire mon accord. On ne fréquente pas n'importe qui. On ne fréquente pas n'importe quelle église. On ne fréquente pas n'importe quel pasteur. On ne fréquente pas n'importe qui. N'importe qui n'est pas ma fille. N'importe qui n'est pas mon fils. N'importe qui n'est pas mon enfant dans la foi. Je ne suis pas le père de n'importe qui. Tu as une mauvaise vie, je ne suis pas ton père. Même si tu m'appelles papa, c'est un des griffes. Je ne suis pas ton père. Parce que ta vie et puis ma vie, c'est pas la même chose. Les enfants doivent ressembler à leurs parents. Toi, tu ressembles à qui? Tu dois ressembler à ma personne, puis tu viens me dire qu'il va appeler ma personne. Ma personne, c'est un marmaillot. Là, c'est moi aussi marmaillot. Tu ne peux pas l'appeler ton père, mais m'appeler ton père. Tu es fou ou bien? Droit que tu fumes. Faut le laisser. Ça ne va pas à toi. 4h du matin, tu bois là. Jaune à mer, tu bois là. Ça ne va pas à toi. On laisse. On voit l'eau. L'eau sèche. Dans ma tête. Pendant que moi je suis à la maison, je suis à dormir. Toi, tu es dans ma qui. Et puis après, tu dis que voilà mon père qui dort. Qui est ton père? Qui est ton père? On va en récupérer. Je ne suis pas ton père. Pas ton père. Pendant que moi je suis à lire la Bible, toi tu es là, regarde un film porno, et puis après tu as même dit que mon père, qui est ton père? Pornographe, pornophile, porno jandou, porno sauvage, animal, moi je suis ton père. Tu m'as déjà vu dans un film porno? Tu es porno, tu as déjà vu là. Alléluia! Si vous marchez avec les gens de mauvaise vie, on dirait qu'on est de mauvaise vie. Oui. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais pourquoi vous voulez que je sois comme je sois du monde? Je ne suis pas du monde. Bien que je sois dans le monde, je ne suis pas un mondain. Je suis un fils du royaume de Dieu. Vous voulez me voir marcher avec les autres pasteurs? Je ne marche pas n'importe quel pasteur. Je ne fréquente pas n'importe quel pasteur. N'importe quel pasteur ne me fréquente pas. Si tu m'appelles, pasteur est venu chez toi. Si je sais que tu es un gars de mauvaise vie, je n'accepte pas. Il ne faut pas venir chez moi. Il y a des pasteurs qui m'appellent. Mais ah, il m'appelle bishop. Il m'appelle révérend. Il me donne toutes sortes de titres. Moi, je ne sais pas où j'ai sorti ça. Tellement ils veulent m'honorer. Ah, mais un révérend. Oh, bishop, il est venu chez toi à la maison. J'ai ton numéro. C'est vrai, il est venu chez toi à la maison. Oh, je n'ai pas le temps. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour toi. Mais je suis ici à la maison. Mais toi, parce que ma foi, je suis là. Mon âme à la même t'accepte pas. Espèce de boucle d'enduit. Tu as venu chez moi à la maison. Et puis un matin, on va dire qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose. Quelqu'un va te voir en train de sortir de chez moi. On va dans la même chose. On n'est pas la même chose. Moi, je cherche à ressembler à Jésus. Je ne marche pas à n'importe quel pasteur, je ne pas à n'importe quel pasteur. Moi, c'est comme le pasteur m'invite pour venir prêcher à l'église. Je ne fais pas. Je dis, je ne fais pas. Parce que quand je me vois en train de rater là-bas. Ah, tu es un vrai pasteur. Un chrétien qui craint Dieu comme un. Tu me regardes, tu es venu à nous entendre. Je ne viens pas là. Je ne vais pas là-bas. Amen. Dis amen. Amen. Parce que si toi, tu me vois rentrer, ah, mais le vieux, il marche à Macoso. Non, il marche à ta vie, c'est dit. Non, non, le vieux, là, le vieux, là, ça y est. Toi, dis ça, non. Dis-le, tu n'as pas dit que ça y est. Alors, et puis si moi, c'est quand je vois ici. Non, le vieux, c'est un faux, mais moi, mes frères, quand passé, au moins, il a trouvé un. Non, là, tu vas voir, moi, je vais mettre mes drogues. Mes drogues, comment ça prend, je suis qui a créé ça? C'est pas moi. L'image
Le pasteur véhicule l'image de Jésus. Le pasteur, lui là, il véhicule le portrait de Jésus. La photo de Jésus, lui, il tient ça pour montrer aux gens. Maintenant, si ta photo devient la photo du diable, ta dame est née du diable, née de Satan, ton balèze nul là. Il y a toujours mauve concentré dedans, les poules de mauve là. Un sale gars. Satan donne la nausée. Dans la vie de vomir. Et puis c'est ça, les gens prennent pour faire leurs camarades. Ils prennent ça, Satan qui est leur ami. Satan utilisait les gens pour injurier Jésus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Pris même des chefs religieux, des bandits comme ça. Eux qui devaient défendre Jésus, c'est eux qui l'ont condamné. Et puis ils l'ont amené devant qui? Devant des rois, des gouverneurs païens pour le faire condamner. Et puis on veut que je marche avec ces voyous là. C'est faux, je ne marcherai pas avec eux. Amen. Moi je suis filé largement. Je cherche quoi de vous? Je cherche quoi? Quand tu marches avec un pasteur infidèle, tu as devenu infidèle. Il y a des pasteurs, ils aiment s'asseoir les maquis. Les samedis vont s'asseoir au maquis, ils vont venir boire. Ils trompent les femmes. Des voyous. J'ai croisé un comme ça. Et puis il me connaît bien. Moi je ne sais pas qui me connaît. Même moi, parler de son problème de foyer. Et puis, il est révélé qu'il a. Il dit quoi? Il me connaît. Il regarde bien son vous savez, il ne me dit pas grand chose, mais il sait qu'il est dans une départ. Et puis, il dit à sa femme, je dis, moi, le connais. Moi, le connais. Et tu me connais, mon fils, en marchant ensemble. Tu trompes ta femme. Tu vas t'asseoir au marché, tu vas voir. Tu vas coucher les pieds partout, partout. Toi et moi, on peut pas être la même chose. On peut pas être la même chose. Tu me connais où? Je te connais pas. Milon, je te connais pas aujourd'hui, je te connais pas demain, je te connais pas après demain. Je te connais pas tous les jours. Parce que ta vie est une vie sale. Une vie de canard. Tu es toujours dans la boîte, de partout. Cochon. Cochon d'aile. D'aile de cochon. Serpentaire. Et puis tu veux que toi et moi ensemble, on peut pas être la même chose, on peut pas se fréquenter. Je préfère être solitaire, mais jamais seul, parce que j'ai le Saint-Esprit, j'ai Jésus. Et puis je vous êtes là, vous me suffisez largement. Quand je vous vois, je cause. Quand je vous vois m'appeler papa, vous m'appelez parce que je suis content comme ça. Je suis heureux, il m'a cherché par la boue, il m'a cherché par terreur. Tu as touché toi, tu as cherché par terreur. Ce que tu cherches dehors, tu as trouvé. Il m'en a sort. C'est que tu cherches dehors, il vient en sort. Il vient en sort, viens. Pour laisser tranquille, je suis aussi tranquille à vous. Celui qui fait que le mat bien. Et puis on est assis là, sans famille. Tu es fini, tu vas. Tu comprends aller où? Tu n'as pas dit que je t'en fais. Quand tu m'appelles pas, quand tu te mets en café, est-ce que moi je te donne ton indépendance? Tu n'auras pas ton indépendance, car moi, on est calé ici, serré, cimenté, bétonné, tout et tout. Il n'y a pas de aussi bien que tu. On est collé, chimanté. On ne bouge nulle part ici. On est en ça. Et il est passé, mais le pasteur m'a choqué. Le pasteur m'a parlé mal. Il m'a parlé durement. Mais c'est parce que c'est mon enfant qui te parle durement que faut dire amen. Hein? Amen. C'est pas que c'est pour moi qu'il te parle mal. Amen. Et pas qu'il te parle pas mal, je te parle durement. Pour ne pas que tu te perdes. Amen. Il voit les gens, pourquoi ils ne parlent pas? Toi, tu es pour moi. Faut dire, je suis pour toi. Je suis pour toi. La Bible dit les Macédoniens. Ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ensuite à nous. C'est la raison qui parlait. Quand on disait, les Macédoniens, ça écrit dans la Macédoine. Il dit qu'ils sont d'abord donnés au Seigneur Jésus. Ensuite à nous les apôtres. Alléluia. Tu t'es donné à moi. Amen. Donc il faut faire ce que je fais. Il faut pas aller faire ce que je ne fais pas. Fais ce que je fais, ne fais pas ce que je ne fais pas. Faut me limiter, faut me copier. Tu n'as rien à faire, toi, reste à la maison. Regarde les gros yeux de ta femme. Regarde ses lèvres. Amen. Regarde tes enfants. Amen. Regarde leur bouche. Faut la regarder. Amen. Là, tu dis amen, on est que ton fils est à la maison. Quand je dis amen, là, c'est comme mon fils est là, tu dois la maison. Tu as vu que là, il regarde bien, il regarde bouche, il regarde yeux. C'est tout front de Rihanna. Et ça, maintenant, après, maintenant, il faut le ventre aussi de Rihanna. Maman a ventre.
Les pères la plus grosse, ça peut respirer. Il faut vendre tout du bois. Elle m'a sacré dessus. Elle fait des bleus de mots de vente. Hey! Yeah! Café, hein? En tout cas. Septièmement. Au verset, vous verrez sixièmement. Du verset, chapitre 23. Du verset 1 au verset 25. Jésus-Christ va se retrouver devant Hérode et puis devant Pilate. Les rois de la terre, les gens vont se lever contre vous. Les gens vont vous combattre. Les autorités vont se lever contre vous, vont s'opposer à vous. Ils sont d'abord opposés à Christ, ne soyez pas étonnés. Jésus-Christ est passé par là, l'opposition des autorités de son temps. Devant Pilate et Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont parti de lui? On le traîne comme ça, on traîne un bandit, on traîne un vagabond. Pourtant, il n'a rien fait. Pour le bien qu'il a fait, regarde comment on le récompense. Du verset 26 au verset 32. Jésus-Christ m'a sur le chemin qui mène à Golgotha, le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Ils vont le traîner dans toute la vie jusqu'au lieu du crâne. Mon frère, ce n'est pas une mince affaire. En même temps, vous savez que tu as vu l'ancienne ville de Jérusalem. Madame Zahou, l'ancienne ville de Jérusalem. Tu vois, la clôture, ça c'est l'ancienne Jérusalem. Tout la clôture. On n'est pas dit, mais les gens ne vont pas dire. C'était très bien fait. Restaurant chrétien. Monsieur, c'était bon. Dieu m'a aussi. Frère Israël. Vous continuez, vous voir ce qu'on en est là. 45 000, 45 000. Il faut garder 45 000, 45 000. Moi, je dois partir. Dis Amen. C'est l'ancienne ville qui a clôturé là. Ça, c'est l'ancienne ville. Et au fond, au nord de la ville, c'est vers là-bas que Pilate habitait. Et puis maintenant, on devait le prendre avec le Saint-Esprit. On devait le prendre depuis là-bas. Traverser toute l'ancienne ville pour venir jusqu'à là où on est parti au tombeau de Jésus. On n'est pas au tombeau de Jésus, les catholiques là. Tombeau de Jésus, on est parti, on a vu la montagne qui s'en va à la lumière. Voilà. C'est jusqu'à là qu'ils ont amené Jésus. Ils l'ont fait traverser la ville dans toute sa longueur, pas la largeur, toute sa longueur, ils l'ont fait traverser. Et là, c'est l'ancienne ville. Imaginez-vous. D'autres se moquaient, d'autres riaient. Oh, le Messie! L'homme qui a ressuscité la mort, l'homme qui guérissait les maladies, l'homme qui chassait les démons, voilà lui. Oh, puis ça se moque. Homme frère, c'est pas facile la portée d'accord. Pour toi et pour moi, dans cette semaine qui arrive, dans cette semaine qui commence, on va savoir que Jésus-Christ va subir jusqu'à dimanche. On n'est pas jusqu'au 28. Il va subir. À cause de toi et moi, il va subir. Il va payer au prix de sa vie toutes ses souffrances, l'humiliation, la honte. Souvent, on va t'humilier. Souvent, tu seras humilié devant les gens. On va te renier. On va dire des choses qui font honte sur toi. En vrai, des choses vont t'arriver qui font honte. Mais reste serein et imperturbable. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Sur le chemin qui mène à Golgotha, le chemin qui mène au lieu du crâne, se trouve beaucoup d'embûches, beaucoup de souffrances, beaucoup de moqueries. La pauvreté, la galère, les larmes, les moqueries des gens, des adversaires qui vont rire, des gens qui vont te dire Yako, pendant que les gens vont pleurer pour toi, pendant que les autres vont te consoler, d'autres vont se moquer de toi, d'autres vont te maudire même dedans. Dans ces moments de douleur, de souffrance, les gens vont se moquer de toi, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait, c'est bien fait. Ils ont fait ça à Jésus. Mais Jésus a supporté tout ça à la cause de toi et moi. Et puis quand je parle de ça, là, et puis ça dure, pas que là tu dis que non, je suis fatigué. Non, je sommeille. Ressaisissez-vous, hein. Je dis, ressaisissez-vous. Des temps viendront où vous allez chercher à entendre la parole de Dieu quand vous n'aurez pas ce temps. Il y a des pays où les chrétiens cherchent comme ça à se réunir quand vous partez à l'église. Amen. Parce qu'on les persécute. Amen. On les tue. On ne permet pas le christianisme dans ces nations, dans ces pays. Et tu dois te retrouver dans les pays en Occident où tu ne pourras pas entendre des messages comme ça parce qu'il y a des pays où on ne parle pas de péché. Tu n'es pas arrivé là pour parler de péné, d'homosexualité. Tu ne peux pas. Si tu commences à prier, si tu n'es pas dans un pays, on te met dans le premier avion qui s'en va chez toi.
Au niveau du parti, je sais pas, ils sont capables de ça. On dit, ils ont leur droit. Et quand on leur dit, non, quand un docteur en femme, les imbéciles comme ça. Toi, tu vas être pédé avec ton ami, et puis tu as un docteur en femme. Qui va aller coucher avec femme pour pas qu'il donne un docteur en femme? Malédiction. Amen. Et quand on leur donne non, on lui dit non, ils veulent se marier. Et puis tu les vois, les sales pédés. Amen. Ah, les cocos qui coulent. Coco en l'air, bras de bras dans la ruche. Amen. Et puis on dit qu'il ne faut pas en parler de ça. Amen. Les homosexuels. On dit non, c'est des gays. Ce n'est pas des gays, c'est des pédés. Amen. C'est ça le pédé. Amen. Pédé n'a pas son propre. Allez, fais ce qui se Dieu les voit. Amen. Le jour viendra où seront jetés dans le feu du Sodome et Gomorrhe. Amen. Tous les cocos là-bas, brûlés là-bas. Ça va être à fond de graisse des cocos qui sont longs de leurs bras. Dieu les voit. Amen. C'est une malédiction. Et puis les chefs d'État, les gouvernants encouragent ça. Et puis les pasteurs sont dans ces pays-là, ils ne peuvent pas parler. Et puis ils disent qu'ils sont pasteurs. Et puis dans ces pays-là, tu vas voir les homosexuels qui sont pasteurs. Oui, même à la fin du sujet. Il est homosexuel et puis le pasteur, il a sa femme. La femme est garçon, puis il est pasteur. Et puis il y a des gens qui restent s'asseoir dans son église. Aux États-Unis, il y a des églises où on peut être unis. Où quand vous venez voir l'église, tout le monde est nu. Le pasteur même là, voilà, on voit ce gars comme ça, un gros comme ça. Il y a dans un documentaire, sur Nation Geographique, on voit un gros comme ça. Et puis, son truc là, devant, il y a un poteau, poteau. Et puis il pêche à ça. Puis il pêche, et puis il pêche, il pêche, il aussi, il pêche, là. Église de Midis. Et puis aussi, ils mettent courant les yeux et puis ils lisent Bible. Ils ne savent pas comment ils lisent Bible là-même. Puis ils sont nus côte-côte. Le pasteur est nu côte-côte qui prêche. Parce que si tu vois, il est grand comme ça, on est un cochon. Dieu le voit. Du verset 33, verset 38. Du 23. Jésus-Christ sera crucifié. La crucifixion. Jésus sera crucifié. Vendredi, là, on va le crucifier. On l'a arrêté dans la nuit, jeudi, on l'a crucifié vendredi. Il sera crucifié. À cause de toi et de moi, à cause de nous deux. Il a payé pour nous, au prix de sa vie, pour le salut de l'âme de chacun d'entre nous. Moi, Rico, quand tu fais des yeux de ma femme, quand tu as fait d'être là. Et le Seigneur m'a prié depuis la même là. Il nous fait les portes. Les portes vont ouvrir. La vie est vraiment ouvrir. Il y a plus de place. Nous avons compris. Tous les gens qui ouvrent les portes. On ouvre les portes. On ouvre les portes. On a assez ouvert les portes là. C'est bon maintenant. Il faut rentrer maintenant. Amen. Seigneur, ouvre les portes. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes de ma vie. Ouvre les portes de la richesse. Ouvre les portes de ceci. Il faut rentrer maintenant. C'est quand on ouvre, ça ne suit pas. Chaque jour t'ouvre, chaque jour t'ouvre. On ouvre même les fenêtres encore pour donner. On casse même les clôtures dans la maison pour dire maintenant rentre maintenant. Tu as arrêté à dire non, quand on ouvre pas, on n'ouvre plus. Si tu n'as pas la foi pour rentrer, il faut le laisser. Amen. Je déclare sur ta vie que les portes d'abri s'ouvrent. Tu as dit Amen. Demain encore tu viens. Parce que quand tu viens, tu vas ouvrir les portes dans ma vie. Quelle porte encore tu veux? On va ta porte là, c'est comme on ouvre ça. On a ouvert pas pour tout. J'ai enlevé le porte quand même pour jeter. Pas quand même la même, j'ai enlevé cette porte. Comment on appelle la petite fille qui danse sur porte là? Kevin Chambala, je sais pas, tu connais moi, tiens porte, toi qui danse sur porte, tiens porte. Il n'y a plus de porte dans ta main, tu dis ouvrir, il n'y a plus quelle porte. Même les pommes là, il y a déjà à soi, il a démonté les pommes là, j'ai tout. Cadre là, cadre même de porte là même. Ah, je vais dire que ma prière, cadre de porte. Qu'est-ce que j'ai fait de miser aussi? Cadre, c'est cadre non. Tout ça, c'est qu'il a dit d'aller en acheter. Sinon, on porte là. Seigneur, où porte il a cassé même les murs, même les murs de porte. On dit, il faut rentrer, tu dis, on a oublié qu'on n'ouvre plus de porte. C'est porte, on rentre, sinon, on ferme tout. Et puis, il faut faire ce que tu veux. Christ a été crucifié pour toi et moi. Alors, tout le monde ne peut pas souffrir pour Jésus. Il est mort, il a été crucifié pour toi et moi. Et puis, toi, tu ne veux pas souffrir pour lui. Toi, tu as quel problème? Quand tu souffres un peu là, tu te plais. Puis c'est moi pour ça.
qu'il a payé à notre place. La condamnation qui devait tomber sur toi et moi, là, Jésus a payé pour ça. Il a payé. Au prix de sa vie, il a payé. Et puis toi, à ton tour, petite souffrance, tu commences à... Oh, André, les mouches vont fondre. C'est toi, ce boulot. Après ça, oh, après, oh, dans le temps, quand tu peux l'attraper, le fond, là, c'est les insectes blancs, noirs, les jaunes, noirs, comme ça. On passe à cacher les pieds, la fille noire, pour les femmes, ils vont faire la tête. Tiens, ça dérive. Qui a fait ça ici? Le tour, nous t'en fait aussi. Le tour, nous t'en fait. Voilà. Alors, et pas laisser l'héritage aux enfants, on s'en aussi. On a attrapé le fond. Amen. Ah, cache. Quand tu vas faire sa plante arrière comme ça, là, pour le laisser chier un peu sur parole. Tu t'en fous de ça, tu es sur ton prix. Bon! De sorte que chacun s'est gardé son bonbon dans la bouteille. Il y en a encore pour continuer les amis. Il y a déjà le comportement, c'est un comportement de fonfon. Satan a attaché les pattes là, les pieds là, avec une corde. Bon! Tu es contrôlé par le diable. Et puis tu trouves que les portes sont pas ouvertes, les portes sont ouvertes. Faut rentrer maintenant. Faut dire je rentre par la foi. Je rentre par la foi. Car ma bénédiction, je rentre par la foi. Alors, il faut que tu te mettes devant mon corps pour dire que parce qu'il faut prier pour t'en souffrir. C'est pas pour t'en souffrir, c'est pour t'en souffrir, t'en souffrir. Alléluia. Jésus a été crucifié. Verset 39 au verset 43 du chapitre 23. Le brigand va se repentir. Repentance. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. La repentance. Nous sommes dans cette semaine de repentance. Tout à où, tu faisais. Tu faisais. Il faut changer. C'est la semaine où tu dois arrêter tout ça. Tu as compris? Tes mensonges, tes vols, ton hypocrisie, ton orgueil, tes fétiches, tout ce que tu fais qui est mauvais, faut arrêter ça maintenant. Faut changer. À partir de cette semaine, c'est cette semaine sur la lettre de jeûne. Tu dois te repentir, abandonner ta mauvaise vie, changer de vie. Changer de vie. Alléluia. Ta petite go là, faut rompre cette année, cette semaine, faut rompre avec elle. Amen. Et faut venir pleurer dans une bonne soeur en Christ. Amen. Ton petit gars là, faut rompre avec lui cette semaine. Pas lui dire que je ne veux plus, c'est fini entre nous. Je ne veux plus. Jacques, je ne veux plus. Richard, c'est fini entre nous. Manou, c'est fini entre nous. Aristocrate, c'est fini entre nous. Faut lui dire ça. Moi, je ne connais pas son nom, donc moi, dis-moi les prénoms. Alléluia. Amen. Oui. Va dire à Hélène, 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 c'est fini. Hélène, je me repens. Hein? Comment elle s'appelle Hélène? Je me repens. Hein? Il s'appelle Hélène. Il faut dire, je ne veux plus. C'est la semaine de la repentance. Il faut rompre les liens bizarres, les liens de péché dans lesquels vous êtes. Il faut rompre ça, il faut mettre fin à ça. Cigarette, tu prends cette cigarette, ne te fume plus. Tu le jettes. Tu vas acheter un boutique, non? Et puis tu dis cigarette. Il y a tout le monde qui est bien. Toi et moi. Après, il sort de semaine, c'est fini. Et tu fumes plus. Si tu es un fumeur, tu vas te délivrer de la cigarette. Tu sais ce qu'il fait? Cette semaine-là, dans la boutique, tu prends cigarette. Et puis tu ne mets pas ta bouche, tu allumes ça quoi. Puis ça allume quoi. Puis tu mets la voix. Et puis le coup là, t'es arrivé, il faut me dire toi. Toi, cigarette, tu es 24 ans, il a pas dit toi, moi, c'est fini. Allez, c'est toi, moi, c'est fini. Maudit là. C'est fini. Ouais. Si tu prenais qui m'a poussé, elle a dit Belé. C'est qui boit Belé, quand ils sont sous l'air, il dit qui m'a poussé. Lui, il voit que quelqu'un le pousse derrière, alors que personne ne le pousse. Hein? Quand il voit comme ça, devant, c'est toujours un plongeon. Alors que c'est plat, c'est un plat, mais lui, il voit là toujours plongeon. Donc quand il marche devant. Qui t'a poussé ça? Le diable, tu as bu son pipi là, c'est lui qui te pousse. Moi, qui va te pousser?
T'as boit pipi de ta même. Non, ça c'est faux. Donne ma quatre. Non, il y a un petit peu, donne ma zone à main. Le gars boit le pipi du diable. T'as pas un des goûts dedans. Et puis tu sais ton visage. Quand tu froisses ton visage, ça devient comment? C'est ça, non? Je dis, ça devient comme les fesses du diable. Comme ça, tes fesses, ton visage devient. Satan, il pisse. Il fait ce diarrhé là. Quand tu prends, tu bois, tu dis non, c'est propre. Hein? Et puis, quoi encore? Comment on appelle? Voilà, Dopel. Dopel, vous savez, c'est quoi? Quand Satan lance son fesse comme ça, l'eau qui fait comme ça, c'est ça qui est Dopel. Quand Satan lance son fesse comme ça, l'eau là, on le met comme ça là. C'est ça qui est Dopel là. À quel moment que je te l'ai fait Dopel, ça frappe Dopel. Oh, Dopel! Tempo! Dopel! Tempo! Nous, quand même, là, il s'appelle même Dopel maintenant. Alléluia! Arrêtez ça! C'est la semaine de la repentance. Si avant tu tenais tête à ton mari, il faut faire profil bas. Répète-toi. Alléluia. Ça peut aller. Si avant tu venais en retard à l'église, maintenant tu te repens cette année, cette semaine. Je me repens. Il n'y a plus maintenant en retard à l'église. Comme le fils du pasteur, j'ai pris le plus en retard. Maria son colombe. À côté. Moi-même, c'est mon fils, on dort ensemble. Moi, ici, là, avant lui. Et puis, je connais son nom, il sait à quel il va venir. Je ne réponds pas, je ne viens plus en retard. Quand c'est repenti, dis amen. Oui. Tu donnes rendez-vous à Dieu, puis toi, tu viens en retard. Alléluia. Repends-toi. Repends-toi de tout ce que tu fais qui n'est pas bon. Le brigand s'est reparti. Jésus l'a dit aujourd'hui même là, Runda voilà. C'est ça. Aujourd'hui là, tu seras au paradis avec moi. Amen. La repentance ouvre les portes du paradis. Amen. La repentance ouvre les portes du ciel. Repends-toi. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne te sanctifie pas si tu ne fuis pas le péché. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Amen. Avant que je suis là, le gars pour lui m'appelle, ah le vieux, mais Camille est mort, il dit, Yanko. Le lendemain, la mère David m'appelle, ah papa, mon grand frère pour qui je vais aller prier là, ah et puis encore là, il est mort. Ah donc ça meurt quoi. Et après, il a dit, ah voilà, lui, mais Camille est mort. Maman David a perdu son grand frère. Un jour, Jean va annoncer pour nous. Amen. Dieu. Un jour, on va annoncer pour moi. On va annoncer pour nous. Amen. Ouais. Mais prie que moi, prie que tu m'aimes avant moi. Hein. Au moins, je suis à côté, c'était pour nous. T'as l'air de répentir. Hein. Mais si moi, je vous te laisser. Alors, comment ça? Alléluia. Amen. Dis-moi, regarde, vous nous laissez ici. Pourquoi vous débrouillez ce? Mais m'en vais. Hein. Je vais rester sur la terre ici. Il est parti. Alléluia! Quand il parle d'abord, je parle pas. Ça va m'arriver. Non, c'est pas le fait de parler. Non, c'est pas votre chien, ne touche pas quoi, il y a touché même béton. Ça va arriver. Même si on touche les feuilles de l'âme sombre, ça va arriver. On ne peut pas éviter ça. Donc, accepte qu'on parle de ça. Dis amen, hein. La mort, là, ça va arriver à tout le monde. La Bible dit c'est le chemin de toute la terre. Jésus devait mourir. Jésus est mort. Mais toi, je vais mourir. Donc, ne sois pas scandalisé quand on dit, non, tel pasteur est mort, il va mourir. Jésus même est mort. Nous sommes mourir. Dis amen. Amen. Tu vas mourir. On va te prendre comme on prend tout le monde là. On va creuser la terre. On va te mettre dedans, on va t'enfermer. Il n'y a plus air là-bas. D'abord, tu es mort. Tu as besoin de quel air? On t'enferme là-bas. D'après soit Dieu ne peut pas étouffer, on va le mettre ça. Allez, lui connaît le cimetière, on te laissera aller dans le cimetière. Soyez que. En tout cas, si tu es moi, maman, on t'enterre. Et puis on met des balais et dalles. Il n'y a pas tout toi. Alléluia. Amen. Mais en ce moment, tu as déjà mangé assez d'argent de tes enfants. Hein?
Tu as vécu avec un village, tu as eu cité, tu as marqué par le ministère au Tchad, tu as marqué par le ministère au Soudan, tout ça. Pas de mal, il n'y a pas de gens là-bas. Tu as marqué par Jésus au Soudan. Hein, tu as marqué par le ministère en Ukraine. Pour que les Ukrainiens puissent donner leur vie à Jésus. Non, les gens, on est soutenus financièrement. On a envoyé nos yeux là. On a envoyé nos yeux. Alléluia. Voilà, donc. Le Seigneur te soutient devant ta vie le ministère. Oh frère, tu as béni ce matin. Après la repentance, les ténèbres vont envahir la terre. Bientôt il va faire nuit. Cette nuit-là, ça peut être ta mort. Ça peut être la fin de toutes choses. Ça peut être l'enlèvement de l'église. Bientôt les ténèbres vont envahir la terre. Quand Jésus est mort, les ténèbres vont envahir la terre. L'obscurité totale. Il y aura un temps où dans ta maison, dans ta vie, l'obscurité a venu s'installer. Parce que la mort est rentrée. Tu vas faire comment? Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel avec Jésus au paradis? Est-ce que tu es... Ça c'est dans le verset 44 au verset 49. Le verset 50 au verset 56, pour terminer, Jésus-Christ va être enseigné. On va l'enterrer. Alléluia. Jésus sera enterré. Ils vont demander, c'est qu'on met des garde-corps. Pour ne pas qu'on vienne voler le corps. Jésus sera enterré. Il est enterré le vendredi. Amen. La suite, c'est pour le dimanche, la résurrection. Homme frère, si Jésus est mort enterré, sache que toi aussi tu vas mourir un jour, on va t'enterrer. Faut dire amen. Amen. La mort, ça fait peur, hein. Jésus, quand il a vu la mort là, il a agonisé, n'est-ce pas? Lucas, tu es devenu saint. Mais est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Donc toi, tu as peur. Tu n'as pas peur. Tu es toujours courageux. Tu es pauvre, tu es riche, tu n'as pas à manger, tu as bio, tu n'as pas à bio, tu vas mourir. Alléluia. Qui c'est qui ne va pas mourir? Ah, il n'y a personne. Donc tu sais que tu vas mourir. C'est bien pour moi de C'est bien pour moi de te répandre. Nous sommes dans une semaine de repentance. Arrêtez vos...